Bonjour les Verseaux. Alors j'ai effectué un tirage de trois cartes pour vos énergies, vos prédictions pour le mois de novembre. La première carte correspondra au tarot de l'amour, la seconde carte issue de la magie des arbres et la troisième sera un message de l'oracle des AQ. Je vais donc vous lire, vous retransmettre le message de chaque carte. Donc pour vos énergies, pour les Verseaux en novembre. Donc la première carte qui est sortie avec le tarot de l'amour, c'est donc le 9 des arbres. Elle correspond au 9 de pentacle dans le tarot. C'est la carte du raffinement. Chaque pas améliore et éclaire votre chemin. Un rêve évolue vers un autre puis un autre. Vous ne perdrez jamais sur un chemin tracé par vous-même. Le 9 des arbres vous apporte cette reconnaissance intérieure que vous recherchiez. Toutes vos expériences vous ont permis d'améliorer et d'éclairer votre identité et vous ont mis sur le chemin que vous suivez. En vous concentrant sur vos rêves et vos désirs, vous les attirerez à vous. Dans le passé, vous laissiez le monde extérieur valider vos expériences. Vous êtes maintenant en train de devenir maître de votre vie. Vous avez dépassé une grande difficulté. Réjouissez-vous de cette victoire bien méritée. L'expérience vous donne confiance, indépendance et vous libère de tout compromis. Vous vous êtes donné du mal pour en arriver là et vous pouvez maintenant fêter ce succès. La seconde carte donc qui a été tirée, qui est sorti avec la magie des arbres, donc c'est la carte de l'aulne, c'est donc un arbre de la terre, donc cette carte est sortie plusieurs fois sur divers signes en fait, donc c'est la carte du défi. Victoire bien méritée proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter. L'aulne dont l'écorce se teinte d'une couleur rouge-orangée dès qu'on l'entaille évoque la guerre ou un litige. Il annonce une victoire qui peut être morale, compte tenu des qualités de son bois avec lequel on fabriquait de la poudre à canon. Le conflit risque d'être violent, mais vous en sortirez vainqueur, car l'aulne a une valeur de talisman. Une amulette confectionnée avec un bout d'écorce ou une branche protégerait du mauvais œil. Vous devriez faire bientôt de nouvelles connaissances, homme ou femme. L'aune doit être interprétée comme annonçant une victoire. La dernière carte, donc, avec l'oracle des AQ, c'est la carte de la renaissance au champ du printemps. Les cours d'eau rigolent de nouveau. Enfin, vous vous retrouvez de nouveau en paix avec vous-même et ceux qui vous entourent. Vous ressentez un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau. Vous ne vous donniez plus cette permission, les choix que vous aviez faits ne vous correspondaient plus et cette prise de conscience vous a libéré. Vous êtes sur le bon chemin, suivez vos aspirations. Voilà donc pour vos énergies, pour donc les Verseaux pour le mois de novembre. Je vous souhaite donc un très bon mois et je vous dis à bientôt.